J'ai réservé toutes les vraies choses de ma journée. Hein. Je fais la bouffe, je fais mon sac. Et après, on va chez Phasm, au studio. Et on va faire rentrer. En fraude, parce que là, Mathéo, il m'a dit. T'as abusé avec les guests et tout. Sauf que j'ai oublié que j'avais. Tu vois le mec. Ouais, bah ouais, c'est lui qui fait tout. Je lui ai dit, si tu veux venir, en fait, faut que tu viennes avec nous dans la caisse. Quand on rentre dans le festival, quoi. Cheval de Troie. Hop. J'avoue, j'ai demandé à. Ah Mathieu, une guest, il m'a dit c'est mort, mort, ouais. mort. C'est mort, on est 36. Oh. Bacon, hein. Bacon. Donc j'écris alerte beauf sur le mur, hein, sur le groupe. Mm-hmm. Qui c'est qui m'appelle? Charlie. Allô? Allô? Ouais. C'est quoi l'histoire du bœuf là? Alerte le bœuf, alerte au bœuf. Mais non. J'ai dit, non, y a pas de bœuf, c'est alerte au beauf. Ah ok. Je croyais avoir un bœuf dans l'histoire. Non, bah non, non. Ok, c'est bon pour demain? Ouais. Ok, comme ça je prends des slips propres, hein. Tu vois, référence à 2019, là. Ah. Allez, à tout de suite, hein. Je t'embrasse. Salut, à tantôt. Salut. Wow. Bah j'en ai blindé des shorts, j'ai tout ce qu'il faut, des t-shirts. C'est ça qui est bien. Maintenant là j'ai tout. Parce que j'ai blindé de t-shirts de rechange, donc je peux mettre ça en la journée. Slip, j'en ai mis 4. Chaussettes, j'en ai mis assez. Ok, ben ça c'est bon, les vêtements c'est bon. Les vêtements c'est bon. C'est bon. Les nains pour couleur café. Bah dis mon, c'est quoi? Putain, deux fois. Mais ça c'est ma forme, hein, avec 100 valises là. C'est bien, hein. Ah oui, je vais prendre ça. La pipe quoi que j'avais l'autre jour, ça c'est génial ça. Cette pipe là. Ça c'est un flow de ouf. Ouais, à mon époque, fallait faire du calcul mental à la caisse. En plus je l'ai vraiment te rappelé que j'ai sorti à la soirée l'autre soir, vraiment pour raconter une anecdote de vieux caissier là. Ok, ça, la dernière fois pour l'anecdote, ça c'est les bagues, genre tu sais, avant les concerts d'avant, je m'étais blindé de bagues. Et j'ai un peu la flemme d'en mettre autant qu'avant, genre d'avoir les mains pleines de bagues. Mais la dernière fois, l'avant-dernière fois, je les avais pas pris avec, même pas prises avec moi. Et le concert était un peu bof. La fois d'après à Roubaix, je les ai prises, mais juste prises avec, pas mises. Le concert était chaud. Superstition. Yes, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut y aller. La technique, je peux fermer la porte? Ouais. Alors que si je commence à bédave un peu, tu connais. Je vais commencer à avoir le rythme de ce camion là. Tu vois, regarde. Ça c'est moi et ma gestion de l'énergie après la Cali. Tranquille. Voilà, on y va à son aise, on se prend pas la tête. Regarde-les comment ils sont désespérés du coup là. Ça me donne envie de faire l'album. J'SM tous les jours. Je peux finir les galeries. J'aime de les mettre d'accord. Je traîne avec peu de mecs hardcore. Mais si tu parles mal, le karma va nous croiser. Ouais. Si, je teste la gomme. Go. Le missile du 6-6 de Trent Arnold. Go. Une de mes fresques préférées, ça. Adamski s'emporte. Yo! Drag. Ça va? Tu t'es rasé la barbe? Ouais, j'ai. Salut Faz! Me rafraîchir. Tu vas bien? Ça va, lâche trop. Salut! Ouais, t'as vu, on est bien. Hein. Ouais, c'est stylé. Je faisais des petits tests micro justement là, j'ai enfin récupéré mon pré-ampli. Toi, t'es. Pour pouvoir utiliser la cabine. T'es bon pour que je nous drop tous ensemble après, une fois qu'on ouais, a. Ouais. Il arrive vers 17-18. Ouais, on a le temps. J'avais pas d'heure pour aller là-bas, donc on peut aller quand vous voulez. Quoi. Ça t'a rajeuni dans le cette barbe. Ouais, t'as vu, 18 genre ans. Genre de donc, ouf, ça t'a ouais, vraiment rajeuni. Ouais. Je sais, mais je vais la laisser repousser, mais j'avais. Envie de la remettre bien ou bien je suis trop chaud? Ouais, je sais pas, non, j'avais envie de nouveaux poils, quoi, de deux poils frais. Franchement, pas tout.
toucher un truc. Ça, c'est une autre que j'adore dans le genre. Genre, moi, je fais ça. Et après, avec Faz, on la retravaille, tu vois. Donc ça, c'est ma version. Intéressant, 2023, les galeries, certains souvenirs devraient partir en 2007. Ça, c'est la version avec Faz. Même truc, mais un peu amélioré. Le mix, il a rajouté un... Il a changé des matières, des pistes. Ça. Non, bon, moi j'ai un spliff. Donc je vais fumer le spliff et je vais commander de la bouffe. Oh. Si tu veux ça, déjà commencer à la bosser. Non, je suis chaud, prendre un peu l'air, c'est vrai qu'il fait chaud. Allez, let's go. Ouais, surtout fumer un spliff à vous. Parce que j'ai passé une heure à la tête en bas dans mes câbles à rebrancher ma machine et tout. Tu prends quoi toi? Tu verras, je prends le même que moi. Ouais. Je prends le même que toi. Ok. A tout de suite, les amis. Yeah. Qu'on m'observe comme si j'étais fiché. Je fais que de la musique, ouais, c'est des fichiers. Foutu trouble de la personnalité. Je suis pas devenu riche grâce à tes couples nichés. Je sens qu'on m'observe comme si j'étais fiché. Je fais que de la musique, ouais, c'est des fichiers. Foutu trouble de la personnalité. Je suis pas devenu riche grâce à des couples nichés. Elle était très bien cette prise. Hein? Elle était très bien cette prise. J'essaie! Et je vais faire la même chose. T'as pas eu un peu l'accent du sud à un moment? Après, c'est ouais, même là, deux heures, dans deux heures, là-bas, c'est déjà actif, il y a déjà des concerts. Je suis assuré, les gars. Cool. Tu prends d'abord les trompettes là. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça fait quoi, les gars, aujourd'hui? Ça chill ou quoi? Ah, là, on attend. La vérité. C'est le coke de pâté, ça. En haut. Ah ouais, c'est le coke de pâté, ça. C'est un cinéma pâté. Ouais. Trippant. C'est des grosses. C'était une propriété des. Si, c'était une propriété des Français. Des grosses couilles. Si. Ils sont de la gueule. Ça, j'ai. C'est il y a deux ans. C'est quelle année ça? Ça, je crois que c'est. Alors, entre 2002 et 2004. C'est genre, Martin, c'est bon, ils sont arrivés, genre, c'est pas les vrais. Bah, on va aller, hein. Tout ça, hein. On prend le port. Cassé ici, ouais. Et il s'est déplacé, donc du coup ils m'ont mis une plaque pour ressouder. C'est venu maintenant. Et donc du coup maintenant, par exemple, tu vois, ça c'est le maximum que tu peux tenir dans la main. Alors que l'autre... T'as, il raconte sa life, hein. Ta gueule, gros. Et t'as juste le poignet cassé, là. Vélo, mec. Ouais, moi je suis stressé. De ce soir, à cause de jouer en main stage. Devant plein de gens, je suis stressé. L'autre ira, j'ai un poignet cassé pendant tout l'été, à la main droite, je suis droitier. Je suis tombé comme ça en fait. Je suis tombé. Tout ce cycliste, c'est fatigué. Ah, mais ça m'est dit. Ton vélo, tu vois. Ouais, le bassin. Real problems. Oui, gang. Non, ça montre, ça va pas. Tu commences à être stressé? Non, oui, mais pas le stress en mode négatif, quoi. Mais l'excitation de... C'est la première excitation, la première phase d'excitation, c'est aller vers la salle. Alors, on va à la salle, on va à l'endroit. Maintenant, c'est à minuit, donc on a le temps encore. Mais ouais, c'est la première phase d'excitation concrète. Ça va, tu fais quoi?
Bonjour. J'ai ma plaque qui est enregistrée, on vient la garer au parking artistique. Là-bas. Merci. Ouais, bien vu, merci. Ah bah il y a Max qui est là. Ouais, j'ai vu. T'as écouté ce qu'il a dit ou pas? Max. 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 Ça va? Ça va et vous? Max. Max. Il te connaît trop, mec. Il sait déjà. Il sent tout de suite le foutage de gueule trop fort et fait ok, bon, c'est bon, il est parti pour me faire chier. Bon, bah, lui m'a dit de me mettre là, hein. Ici, ouais, à côté des vannes. Mais c'est Shuttle Artist. Non, il t'a pas dit ça, il t'a dit derrière la voiture blanche. Ouais, il t'a dit de te garer là-bas d'abord. Ouais. Où ça? Derrière la voiture blanche qui était à l'entrée. Je la vois. T'as pas des billets dans le museau? Vas-y, hein. Fais bien gaffe à toi. Vas-y, hein. Avec ton épillet là. C'est un épillet. Ouais, mec, mais putain, mec, tu veux remonter ton putain, yeah, il est beau, yeah. Oh, wow. Ça, t'es en forme? Ça m'était mis dans l'oreille. Ça poussait dans son oreille. Non, en fait, c'est vraiment comme ça. Du coup, elle est rentrée dans son oreille. Oh, merci. Et en fait, elle glisse, elle s'est plantée dans son tympan. Oui, va vous baiser. Bien, ma petite gueule. Eh, gros, tu sais que le morceau il fonctionne tout bien. J'ai vu, mais. T'as pas eu genre 34 litres en une journée? À un moment, il a eu 72, ma bouche. 72? Oh, je crois que c'est un bug, ça. C'est pas possible, 72 en une journée. Je jure, ma gueule, je l'ai vu. Vous connaissez Morgan? Allez, introduis-toi à mon vlog. Salut, Morgan. Salut, enchanté. Non, Morgan. C'est Morgan. Morgan. C'est toi, chez Morgan. Oh, c'est toi. Vlog. Allez, vlog. Ok, bonjour, salut, moi c'est Morgan, je viens de Woluwe Saint-Lambert, je suis né à Etterbeek, je suis philatéliste. C'est de la côte. Ça va foutre. C'est ce que c'est un philatéliste. H-2. Concert dans la Tokyo. Ah, ce serait cool. Non, ce serait nul. Ok, donc ça veut dire, du coup, on launch TPA en chocolat. Je dis à Lennart, vas-y, on y va, quoi. Ok, on perd cette transition, mais on gagne Rose Wine. Non, mais la transition, elle est géniale. On a que 75 minutes de show, hein, attention. Hein. Mais il n'y a pas Kawaii ici, c'est pas donc, mais oui, autant la rallonger un petit peu, ouais. Et alors, il faut que Charles le sache aussi qu'il faut rallonger dans mes idées parce qu'il y a Rose Wine. On l'a fait normalement. Vous l'avez fait déjà? Là, du coup, on va jusqu'au refrain d'après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et t'as le parachute qui est à côté. Avec Max. Allez, viens la lumière. Oh putain. Mais vous étiez pas au lycée Martin 5? Si. Putain, incroyable. Quoi? Mais je vous reconnais à chaque année. Tu m'avais comme prof de maths? Je pense, oui. Allez. C'est pas impossible. Vu que je fais. J'ai pas beaucoup suivi vos cours, mais. J'ai un vague souvenir, vous étiez quelqu'un sympathique. Ouais, vous étiez prof de maths. Voilà, dans une autre vie, quoi. Voilà, t'as vu, c'est beau ça, hein. C'est comme chez nous. Ah, ce mec il a la classe à mort. Ouais, mais qu'en vert. Tu sais qu'en plus il y a une théorie qui dit que genre monter sur scène en vert ça porte malheur. Parce que Molière il est mort dans un costume en vert. Je lui dis ou pas? Je lui dis pas. J'ai pas vu l'heure.
On dit si, si jamais il se passe quelque chose, je l'aurais prédit. Bah mais tu l'auras pas prévenu. Bah du coup je lui dis. Bah je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on lui dit pas. Non, pas. Je crois pas qu'il ait d'autres habits. Tu travailles ou tu fais semblant de travailler? On travaille. Pourquoi? Sinon j'acquisitionne un de tes bras pour m'aider à porter ça. Bah Nico il a un bras, ça va non? Ah ouais, Nico il a un bras, ça va. Oui, DM. Oui. Par là? Par là ou par là? Then your video and then we start the show. 5 bars. Ok, comment? Venez. On a pas dit rien. Ok. Venez. Ok, gros show, couleur café, BX, on va trop enculer, minuit. Faites-le pour ça, mais les gars, ils sont tués à la tâche. On est ensemble, on va tout briser. Allez. Ah, tu l'as filmé de façade? Ouais. Trop bien. Vas-y, vas-y, let's go. Toi, c'est quoi ton prénom, Charlie? Charlie, ouais, c'est ça. Tu fais quoi? Oh, rien. Toi, ça tue. Ça, c'est bien. Juste là, tranquille. Okay. T'as vu le facteur, quand même? Le facteur, ouais. Ah, c'était toi le facteur. Direct. Ouais. Et c'est parti pour la deuxième. Ça va, hein? 5 heures, hein, bientôt. 5 heures? Ouais. Bah bonne nuit les gars. Allez. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Démolé. 4-4 posé dans l'allée, 4-4 pour enfin s'affaler. Donne-moi des nouvelles en FaceTime. Ce soir je suis au calme, tout ne m'intéresse pas.